Voilà, bonjour chers astrophiles, mes chers amis. Et donc, on va faire un petit peu comme tous les ans l'exercice, je suis un peu en retard cette année, l'exercice de prévoir ce que va nous donner l'année 2021. Alors, il n'aura échappé à l'attention de personne qu'on a eu un petit problème collectif cette année. Bon, c'est Macron. Non, si quand même. Non, ce problème collectif, alors y en a qui disent, ah, il n'a pas prévu, il a pas... Je rappelle que l'astrologie n'est pas, c'est pas la prédiction ni de la voyance, c'est la prévision. Et je rappelle que j'avais dit dans mes prévisions 2020 qu'on avait la répétition d'un aspect qui a été le début du sida. Donc j'avais dit, il peut y avoir une maladie qui apparaisse. Après, c'est toujours la même chose, tout est relatif. J'avais également dit que c'était une année, enfin j'avais dit en plein d'explications, on pourrait résumer en disant que c'était une année de merde, parce qu'il y avait vraiment une grosse, grosse pression karmique, c'est-à-dire que tout ce qui était karmiquement non résolu par l'humanité, elle allait devoir passer à la caisse. Donc ça permet déjà de voir que vous étiez largement prévenu. À quoi ça sert d'être prévenu? C'est là le problème, c'est qu'il ne s'agit pas en astrologie d'être dans le fatalisme. Il s'agit en fait de prévoir ce qui est en train d'arriver pour comprendre le sens que ça a. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous dit des suites d'événements, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, l'astrologie ne donne pas les événements à l'avance, il donne le climat dans lequel ces événements vont avoir lieu. Et ce climat prédétermine évidemment ces événements, si on réfléchit bien. On vit dans un monde qui est tellement en flux tendu par les informations sans arrêt et les médias, qu'en fait, plus personne n'arrive à regarder. Historiquement, qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant? Qu'est-ce qui est historique, qu'est-ce qui n'est pas? On sait maintenant que le Covid est historique. Et quand on vous dit avant, il va y avoir une année très très difficile, qui karmiquement va être dure, je ne sais pas ce que les gens comprennent. J'ai du mal à comprendre moi-même pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit quand on leur explique l'astrologie. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une difficulté avec ce qu'on appelle le mot karma, peut-être, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est le mot karma que les gens ne comprennent pas? Bon, dans les Amish que je connais, beaucoup le comprennent. Quoique, souvent, c'est pris comme une notion de culpabilité, de punition divine, c'est-à-dire, c'est traduit par le logiciel judéo-chrétien, culpabilisant. Or, ça n'a rien à voir avec ça. Karma, ça veut dire cause-effet en réalité. C'est-à-dire, vous posez un acte, forcément, vous aurez un effet par la suite. Plus tard ou beaucoup plus tard. En tout cas, il n'y a rien de ce qui vous arrive qui n'a pas été semé en amont, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, soit dans une autre vie. Ça, c'est alors on peut penser que c'est un dogme bouddhiste, tout ça. Il y a quand même maintenant, encore une fois, beaucoup de preuves scientifiques avec les histoires de vie après la mort et tout ça, de mémoire karmique, de mémoire de vie antérieure, tout ça, qui font que les rencontres de gens avec leurs parents dans la vie antérieure, enfin. Si vous vous intéressez un peu au sujet, les preuves abondent. Bon, il suffit de ne pas être bloqué scientiste pour comprendre que ça serait quelque chose à étudier, et puis c'est tout. Mais on n'est pas né de la dernière pluie, comme on dit, et on a déjà des mémoires. Comment elles s'installent en nous dès la naissance, ça c'est un autre mystère. En tout cas, ces mémoires, leur carte, c'est la carte astrologique, c'est la carte à la naissance de vos mémoires que vous trimballez, d'où elles viennent, pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les débats théologiques entre ce qui est un soi qui se réincarne ou est-ce qu'il n'y en a pas, hein, ou est-ce que c'est des mémoires qu'on ramasse résiduellement quand on s'incarne, ou est-ce que c'est des mémoires génétiques. Le débat reste ouvert, en tout cas, les vies antérieures existent, le karma existe, c'est prouvé depuis longtemps. Donc à partir de là, il faut bien voir que si on fait des prévisions et non pas des prédictions, c'est pour prévenir. Je rappelle, j'avais prévu... À mai 68 dans le Maghreb, pour 2011, et tout le monde avait rigolé au nez. Ah non, c'est des peuples trop, trop en retard, ils n'en sont pas là, ils feront jamais ça. Et puis en 2011, on a eu ce qu'on appelait le printemps arabe. Mais même en 2012, quand j'ai présenté mon année 2012, il y en avait des gens qui disaient, ah ben, tu n'avais pas prévu. Alors, on dit mai 68 dans le Maghreb et Moyen-Orient, même dans toute la zone tropicale, on pourrait dire, du monde entier. Ouais, insurrection des peuples et tout ça, et on vous dit, ah non, c'est pas le printemps arabe. Parce qu'il aurait fallu reprendre le mot des médias, printemps arabe. C'est comme là, je vous prédis une épidémie possible, mais j'ai pas dit Covid ni coronavirus. Mais attendez, c'est les journalistes qui appellent ça comme ça, ou les scientifiques dans ce cas-là. Donc,
Évidemment, là, on nage dans une espèce de mauvaise foi, ou plutôt d'ignorance, c'est-à-dire d'incapacité de reconnaître qu'est-ce qui se passe vraiment historiquement. Voilà. Si on regardera cette période dans 10 ans, on s'apercevra que ça a peut-être été une épidémie aussi importante que celle du sida dans les années 82-83. Apparemment plus importante, puisqu'il y a une personne sur 1000 qui meurt. J'ai pas les statistiques pour le sida, ça devait être peut-être un peu moins, mais c'est pas sûr non plus. Donc tout ça est très relatif, ça dépend le bruit médiatique qu'on fait autour aussi. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, les prévisions de cette excitation karmique qu'il y avait là, qui était due, parce que le Capricorne, quand Saturne est là, ça c'est l'année 2020, on voyait qu'avec Pluton qui avait ce poids karmique très très fort qui allait marquer toute cette année. Et ça a démarré sur les chapeaux de roue, puisqu'on avait, c'était le 3 janvier, je crois. 3 janvier, il y avait eu le meurtre par la police, l'étranglement par la police de Cédric Chouviat, quoi, qui lui aussi disait, il disait pas I can breathe, parce que c'est un français, il disait je ne peux plus respirer, j'étouffe, au secours, lâchez-moi. Mais à chaque fois qu'il se débattait pour essayer de respirer, c'était pris pour une rébellion à l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Donc sa mort est complètement normale, sans commentaire. Donc ça annonçait déjà pas mal l'année. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, si vous entendez tout ce qui s'est passé avec la loi sécurité, tralala, qui a été réintroduite par Macron alors qu'elle avait été supprimée précédemment, comme étant antidémocratique. Macron nous ramène ça. Et puis, après, on a eu le 23 janvier, ça tombe, 12 millions d'habitants qui sont confinés à Wuhan. Et donc, on voit très bien dans la zone ici, alors évidemment, le 23 janvier, on est déjà en Verseau, mais on est sur Vénus. Vénus, c'est un peu coucou, les Chinois veulent se baiser un foire, alors ils signalent qu'ils sont en train de faire, ils ont commencé avant, évidemment. Mais comme ils veulent tout garder secret, ils sont un peu embêtés, c'est un peu beaucoup. C'est déjà dénoncé par des journalistes qu'ils ont été rapidement mis en prison ou tués, mais l'info est quand même passée. Donc à ce moment-là, ils sont très gentils. Une fois qu'ils sont repérés, ils avouent. Et donc, voilà, comme n'importe quel gangster qui se respecte. Voilà, pour diminuer sa peine. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit le passage entre Capricorne et Verseau. Verseau, l'information, Capricorne, les faits réels. Ce décalage qui existe dans le zodiaque lui-même dès le départ entre la réalité brute qu'il faut assumer, c'est ce qu'on appelle karma, c'est ce qu'on appelle dharma si on l'assume en lui donnant un sens à cette réalité, en cherchant son sens d'abord, en lui en donnant un plutôt. Le sens est donné si on approfondit, il n'est pas plaqué sur la réalité bien sûr, sinon ça s'appelle du dogme. Mais c'est en Verseau qu'on peut en parler, qu'on peut discuter, qu'on peut. Voilà. Alors. Il n'échappera à personne qu'une fois que tout ce tintouin a été mélangé. Après, nous, on s'est retrouvés confinés plutôt beaucoup plus tard, quoi, dans la zone bélier, quoi. Poisson, 7-8 mars par là. Voilà. Donc, au moment de Neptune, tout d'un coup, Neptune qui endort les gens, normalement, là, les Français se réveillent. et on commence à voir qu'il faudrait peut-être prendre des mesures. Bon. Vous avez vu que cette année, on ne va pas trop revenir sur le thème, mais c'est pour bien montrer que toute la charge du thème était déjà dans les deux premiers événements, qui sont d'où l'importance. Alors, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu ne mets pas au 1er janvier? Parce que le thème du 1er janvier, c'est une convention sociale. Or, je ne suis pas une convention sociale, je suis en astro. En astrologie, ce qui compte, c'est quand est-ce que le soleil redémarre un cycle. Alors, il y a deux possibilités. Il redémarre un cycle au solstice d'hiver ou il redémarre un cycle au 0 degré du bélier. Les astrologues, ah oui, mais en Occident, c'est aux heures des rébellés. Oui, alors, on va expliquer pourquoi je pratique comme ça. Le 0 degré de bélier, c'est qu'un passage qui n'est pas aussi net dans le temps que le solstice d'hiver, qui se voit, même que le solstice d'été se voit très nettement. Le soleil s'arrête sur l'horizon, je rappelle, il s'arrête de descendre sur l'horizon, puis il va repartir dans l'autre sens. Donc, le soleil invictus, le soleil invaincu va renaître, d'où la résurrection du Christ, enfin tout ce qui a été symboliquement autour du Christ, autour de Mitra avant. Voilà. Donc c'est l'idée que la vie redémarre. Donc ce moment-là, pour moi, c'est celui où l'esprit redémarre. Donc l'esprit d'une année, il est là.
C'est pour ça que j'insiste toujours sur ce thème-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas inintéressant de faire l'autre thème avec le soleil qui est en bélier, mais celui-là, c'est le moment où la durée du jour égale celle de la nuit. C'est intéressant pour la nature physique et pour la nature mentale aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'aspect physico-mental auquel nous sommes identifiés, le 02 bélier est beaucoup plus parlant parce qu'on sort de cette période d'hiver pour rentrer dans le printemps et les oiseaux, les fleurs, tout l'univers le sent. Et nous, en tant qu'occidentaux très très reliés à l'aspect matériel des choses, on a l'impression que c'est là que démarre l'année. Oui, elle démarre là, on pourrait dire physiquement, physico-mentalement, mais spirituellement et collectivement, les deux à la fois, elle démarre de manière transpersonnelle, on pourrait dire. L'année personnelle commence en bélier, on pourrait dire l'année transpersonnelle, celle qui parle des grandes forces, démarre au 0 degré Capricorne. Voilà pour expliquer le son d'astrologie pour certaines critiques que j'ai pu voir qu'on m'a fourni, puisque moi je ne vais plus sur Internet. Certaines critiques faites par des gens qui critiquent très fort, qui ferait mieux d'apprendre l'astro avant de critiquer ceux qui ont étudié la chose en profondeur. Bon, bref. Mais ce n'est pas grave, tout le monde a le droit de se tromper. Hein. Ça fait partie, comme ça qu'on apprend. Voilà. Alors. Pour reparler de cette année, l'un des résultats dans lequel nous sommes encore, c'est cette grande campagne de vaccination qui vient de commencer, on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi une grande campagne de parano qui a été lancée pratiquement pendant toute cette année parce que on est dans une maladie, on ne sait pas d'où elle vient d'abord, beaucoup de scénarios, d'abord le pangolin qui a été accusé, il n'a pas parlé, donc on a accusé la chauve-souris, il a été interrogé aussi, il n'a pas parlé, les Chinois, bon, eux, ils ne parlent jamais, donc personne ne sait d'où ça vient, et donc ça reste très flou. Quoi. Y a des théories qui surgissent de par des témoignages aussi. Bon, on sait quand même que par un témoignage qu'il y avait des camions de mort en plein Wuhan et que soi-disant il n'y avait pas de victimes, donc on sait que le nombre de victimes des Chinois est totalement fantaisiste comme d'habitude. Hein. Y a zéro moine tibétain qui a été tué, c'est bien connu. Enfin bref, et zéro Ouïghours qui vivent tous heureux dans leur village, sauf que ça s'appelle des camps de concentration, mais à part ça, c'est un village comme un autre, quoi. Donc voilà, donc en face de cette puissance de mensonge que le Parti communiste chinois, hein, c'est pas les Chinois qui mentent, parce qu'on dit ça par abus de langage, c'est un peu idiot, c'est le Parti communiste chinois qui, comme tous les partis communistes, plus ou moins staliniens, que ce soit staliniens ou maoïstes, sont des fabriques de fake news bien calibrées, bien faites, officielles. Et relisez 84 de Orwell. Beaucoup de gens l'ont relu cette année, justement. C'est une très bonne chose qu'on relise 84 de Orwell et qu'on relise Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, parce que c'est vraiment, on est en train de rentrer dedans, les deux à la fois. Pourquoi donc tant de haine, on pourrait dire, contre ces gentils médecins? Alors, ils ont été applaudis d'abord, après ils sont critiqués. C'est vraiment, il y a de l'émotionnel là-dessous, hein. Parce que c'est pas très clair tout ça. Alors on va essayer. Moi je vais, si je suis en train de vous faire de l'endroit où je suis actuellement, c'est que je suis quand même un témoin vraiment très direct de choses qui existent et qui ne sont pas dites dans les médias. Alors je voudrais pas que ces informations que je vais donner alimentent les parano. Elles vont le faire quand même, j'y peux rien. C'est comme ça. Théories du complot, tout ça, font feu de tout bois, et après on va retrouver des choses qui sont dites déformées. Ça date pas d'hier, ça m'est arrivé plusieurs fois dans mon histoire d'astrologue, j'ai lancé plusieurs prévisions très très réussies qui ont été récupérées après par des gens et déformées sur ce que j'avais dit. C'est un peu énervant, mais c'est systématique, donc je serais que ça sera déformé quand même, mais on va témoigner un petit peu. Moi, si je suis ici en pleine campagne, c'est parce que je suis l'un des nombreux déportés qui existent en France. Cette information est complètement gardée au secret. En France, il y a des déportations de collectives qui ont lieu déjà. En fait, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas mis dans des camps, les gens se débrouillent pour se mettre dans un camp eux-mêmes. Les médias n'en parlent absolument pas. Il est même interdit d'avoir cette maladie, puisqu'il s'agit d'une maladie. Alors, est-ce que c'est la lèpre? C'est exactement le même traitement qui a été fait aux lépreux au Moyen-Âge. Or, c'est une maladie non contagieuse. Alors pourquoi mettons ces gens-là à l'écart? Eh bien, on met ces gens-là à l'écart tout simplement parce qu'ils dérangent un système. Et ça, je vous parle de faits qui sont réalistes. Alors, je vais vous révéler un peu le poteau rose, parce qu'il y en a certains qui disent « Mais de quoi il parle, celui-là » Ce sont des faits très très concrets. Et j'en suis moi-même l'un des exemples. Je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire. Ça m'est arrivé il y a 5 ans déjà.
Et j'ai rencontré beaucoup d'autres gens à qui c'est arrivé quand on a installé la 4G. Alors en ce moment, vous entendez parler, ah oui, la 5G, ça va tuer des tas de gens. Attendez, la 4G a déjà tué pas mal de gens et bousillé la vie de plusieurs. Je suis l'un de ceux-là. Ça s'appelle l'électro-hypersensibilité. Et contrairement à ce que font croire c'est pas les labos pharmaceutiques dans ce cas-là, c'est les lobbies de FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, c'est arrivé il y a 5 ans pour pas mal de gens. Alors tout le monde parle de la 5G actuellement, hein. C'est pas la 5G le problème, c'était la 4G. La 4G a tué déjà pas mal de gens. Alors on vous le dira pas, on a appelé ça des cancers. Or, il est curieux que tous ces cancers qui ont lieu, on s'apercevait que dans les mois ou l'année précédente ou les 2 ans précédents, il y avait effectivement des gens qui se plaignaient de sentir les ondes très très mal, d'avoir des maux de tête, d'avoir des. Donc apparemment, la cause n'est pas admise. Or, pourtant, les gens en meurent. Donc, moi, je veux bien qu'on parle du Covid où il y a une personne sur 1 000 qui meurt, mais je ne sais pas, je crois qu'on a dépassé le nombre de. Avec le HS, on a dépassé ce nombre de 1 sur 1 000 à peu près. Ça serait plutôt Les enfants aussi. 1 sur 2 000 plutôt, avec le. C'est un peu moins quand même que le HS. Mais disons qu'on a fait grand bruit pendant tout les mois d'hiver jusqu'à nous faire confiner toute la France. Donc, prendre une mesure où on nous a dit c'est pour sauver l'humain, la santé passe avant l'économie, nous a dit Macron. Excusez-moi, Neptune, fake news. Parce que c'est pas la vraie raison, puisque si la santé passait avant l'économie, comment se fait-il que ces gens qui ont une vraie maladie sont accusés d'avoir une maladie plus ou moins psychiatrique, alors que, bon, étant les gens qui connaissent ça, je suis thérapeute depuis des années, et j'ai quand même fait pas mal de thérapie à l'âge de 20 ans, et depuis, il y a un équilibre psychologique qui est indéniable, qui se mesure tout simplement à ce que l'on fait et à ce qu'on enseigne et aux bienfaits qui ont été apportés à des centaines de personnes à travers ce que j'ai pu faire. Donc, si quelqu'un qui a fait du bien aux autres est un déséquilibré psychologique, moi je veux bien, bon, ben à ce moment-là, on a l'autoroute tout droite du n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi à ce moment-là. Donc, je peux certifier qu'effectivement, il y a des désordres psychologiques qui peuvent apparaître chez des EHS, mais c'est en conséquence et non pas en cause. On a même vu que les EHS étaient plutôt moins atteints psychologiquement gravement que le reste de la population. Donc ça ne vient pas de là. On les trouvait chez des gens qui étaient déjà très sensibles d'un point de vue des fois médical, du point de vue. Alors moi, c'est mon cas, je vais raconter un peu vite fait mon histoire. À 11 ans, je contacte par le biais de ma grand-mère la tuberculose, et la tuberculose à cet âge-là, quand j'avais 11 ans. Et par erreur, je suis vacciné par le BCG, alors qu'il est trop tard, qu'il y a déjà eu un contact, et que donc j'étais immunisé. Ça, il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais vacciner quelqu'un qui est en train de s'immuniser. C'est une catastrophe. Vous pouvez le noter, ça, parce que je suis sûr qu'ils ne vont pas faire attention. À partir de ce moment-là, ça a commencé à me bousiller la vie, parce que la réaction immunitaire ayant déjà eu lieu, vous faites une deuxième réaction immunitaire, le corps ne sait plus trop quoi penser. Enfin, ou plus exactement, il ne pense pas, il réagit. Et il réagit en prenant ce qu'il y avait à l'époque dans mon environnement comme dangereux, c'est-à-dire les pollens. Évidemment, les pollens sont pris comme. Et hop, allergie au pollen. Aggravation quand j'ai 17 ans, que je rentre en école d'ingénieur et qu'on m'interdit de rentrer si je n'ai pas mes vaccins à jour. Et étant donné que le toubib lui-même qui avait fait le vaccin avait dit on n'aurait jamais dû le faire, c'était une erreur, et que je l'avais cru en tant que médecin. Je m'étais dit, bah, il ne faut plus refaire de vaccin parce que apparemment j'ai des réactions anormales avec le vaccin. Alors, je ne suis pas le seul à avoir des réactions anormales au vaccin. Les enfants indigos, c'est-à-dire ceux qui ont été, les âmes qui ont été un peu particulières, au potentiel intellectuel plus au potentiel émotionnel, donc à la fois artistes et intellectuels, mathématiciens ou physiciens assez avancés, ont cette particularité de naître avec une mission intérieure qu'ils découvrent petit à petit ou qu'ils ne découvrent pas, ça dépend lesquels. Mais quand ils la découvrent, c'est très intéressant. Ils sont un peu, on pourrait dire là qu'ils sont là, ouvrez les guillemets, pour sauver l'humanité. Et il y en a beaucoup actuellement. Forcément, l'humanité est en grand danger, on le sait, à cause de, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, c'est-à-dire la planète Terre. Donc, on s'est aperçu que les indigos étaient très sensibles à l'injection de métaux lourds qui étaient obligatoirement qu'accompagnaient tous les vaccins. Ils ont une réaction anormale aux métaux lourds dans leur sang. Ils sont très, très réactifs à ce qui pourrait être des corps étrangers à leur corps.
Donc un corps qui est très sensible, très réactif, fait que bon, BCG est fait sur une primo-infection, galère. Deuxième BCG pris alors que je ne voulais pas le faire, mais sinon je n'avais pas le droit de faire mes études, donc c'est un chantage du corps médical qu'on va peut-être nous refaire d'une autre manière. Hein. Donc, d'abord dans l'âme, je dis, bon, bah, on va bien voir, je suis quand même grand maintenant, j'avais 11 ans, j'étais un peu fragile, puis j'avais eu la tuberculose avec ma grand-mère à côté, là je suis en pleine forme, j'ai 17 ans, j'ai eu mon bac, je suis content, je rentre dans une école prestigieuse, enfin je m'en foutais un peu à vrai dire, mais je veux dire, ça va très bien se passer. Hop, qu'est-ce qui se passe? Blocage de mon système immunitaire pendant 3 mois, une crise d'autisme pratiquement. Alors, je n'étais pas autiste, mais plus une dépression qui m'amène très très proche du suicide. Je ne vais pas raconter tout, mais enfin voilà. Je n'attribue pas ça à l'époque au vaccin parce que je n'ai pas eu de maux physiques comme au premier. J'ai eu apparemment des maux psychologiques extrêmement, extrêmement forts. J'apprendrai après par des médecins alternatifs qui utilisent des médecines énergétiques, des médecines comme acupuncture homéopathique, tout ça, qu'effectivement, c'est l'une des réactions les plus connues statistiquement de ceux qui réagissent mal au vaccin, donc les enfants indigo. Je ne sais rien encore à l'époque, mais voilà. Et c'est beaucoup plus tard, je parle à une amie chez qui je suis hébergé à un moment donné dans le sud de la France. Je lui dis, oh là là, c'est galère, je vais encore à nouveau systématiquement avoir cette allergie terrible. Je saute le passage des 24 ans où je crois que mes allergies sont tellement nombreuses que je crois que je vais en mourir avant 30 ans. Je suis sûr et certain, tellement je perds mes cheveux, j'ai une santé horriblement négative et je serai trop sauvé effectivement par le yoga, la méditation et le végétarisme en l'espace de 6 mois à peine. Toutes mes maladies auront disparu apparemment. Sauf qu'il faudra désinfecter le système immunitaire de toutes ces réactions anormales allergiques. Bon, ça je l'ai fait pendant les années suivantes. Puis beaucoup plus tard, je découvre avec une amie donc qu'il existe un grand spécialiste qui peut faire passer l'allergie. Il l'a fait pour plusieurs personnes. Je lui dis, je suis étonné, moi c'est tellement ancré cette allergie que je vais le voir. Allergie au pollen. Oui, allergie au pollen donc. Et allergie à certains produits alimentaires aussi. Et puis je passe chez lui, il me dit « Ah, oh, c'est bizarre, je travaille », il me fait des protocoles, de par le témoignage des amis qui avaient fait les protocoles avec lui, des protocoles, dès qu'il en faisait un ou deux, on voyait le corps qui réagissait très bien, et là, ma copine m'avait dit « Comme tu es un yogi, un méditant, avec toi, ça va réagir au quart de tour ». Il me fait une demi-heure de séance avec des protocoles, rien, je sens rien, il ne se passe rien, je me dis « Qu'est-ce que c'est que cet enfoiré encore ?» On m'a trompé. Je lui dis non, puisque j'avais confiance en ces amis-là. C'était des gens vraiment la tête sur les épaules, bien, bien rationnels. Voilà. Et tout d'un coup, il me dit, ah, je ne comprends pas, il n'y a rien qui marche sur vous, votre système a l'air d'être bloqué. Ce que je vais essayer de voir, c'est si ce n'est pas un vaccin qui vous a bloqué. J'ai un protocole qui débloque le BCG. Alors je lui dis, j'en sais rien, moi, mais j'y connais rien. Mais vous n'avez qu'à essayer, parce qu'effectivement, j'avais eu le BCG avec ma grand-mère quand j'avais 11 ans. Ah, il y a peut-être un rapport, on va bien voir. Il me fait le protocole, et là, libération d'énergie dans le corps, il me dit, ah bah dis donc, vous réagissez vachement fort. Je dis, bah oui, je suis hypersensible. Ah bah oui, mais je ne m'y attendais pas, parce que ça fait une demi-heure qu'on y est. Alors au lieu de faire une séance d'une heure comme d'habitude, il a fait 2 heures de réaction avec moi, parce qu'il a interrogé mon corps, est-ce que ton corps veut encore de la séance, et parce qu'à chaque fois, il fait sauter un... Comme j'étais très réactif et très souple, c'est-à-dire que je ne voulais pas garder mes miasmes, mon corps était d'accord pour s'en débarrasser, il a pu aller assez loin, et cette année-là, j'ai eu aucune allergie. Donc, les vaccins peuvent bloquer le système immunitaire, ça c'est une preuve très concrète que j'ai vécue. En interrogeant d'autres gens qui avaient des allergies comme ça, on s'est aperçu du point commun sur des vaccinations à l'entrée. Alors, bon, on va dire oui, mais tant que le bénéfice du vaccin est meilleur que les accidents qui peuvent arriver, on est désolé qu'il y ait des gens qui ont ce problème, mais ils sont une minorité par rapport à la grande majorité de gens qui vont éviter d'être malades grâce au vaccin. Très intéressant comme théorie. Néanmoins, moi, ayant vécu ce que j'ai vécu, ayant rencontré des gens ayant vécu la même chose que moi, je me suis quand même demandé, est-ce que ces statistiques sont bonnes? Et je me posais la question sans avoir vraiment de preuves.
Parce que les informations scientifiques sont données le plus souvent par les labos qui les fabriquent. C'est-à-dire que les informations scientifiques, que les ondes sont complètement inoffensives, la 4G est complètement inoffensive, c'est bien connu. Qui c'est qui fait ces études? Il y a environ 95% des études qui sont produites par des labos, des FAI. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont jugés partis à la fois. C'est-à-dire, c'est eux qui vendent la technologie, qui vous disent qu'elle est absolument sans danger. C'est marrant, parce que si on regarde la statistique de toutes ces études, il y en a 95% qui vont vous prouver que c'est sans danger les ondes. Mais si on enlève toutes les études où il y a conflit d'intérêts, c'est-à-dire qui sont les études qui sont faites par les intéressés eux-mêmes, qui sont abondamment payés pour dire ce qu'on a envie d'entendre, qui sont commanditées directement par eux, d'ailleurs, des fois, c'est même pas secret. Alors, si on enlève ces études-là, on en enlève 90%. Ça, c'est déjà étonnant. C'est-à-dire qu'apparemment, les études réelles, indépendantes, ne sont pas financées, puisqu'il n'y en a que 10%. Prenons ces 10% d'études indépendantes, c'est-à-dire souvent des facs, des docteurs indépendants, ou comme le professeur Belpomme, des gens qui essayent de s'intéresser à un problème, des instituts indépendants, Norvège, Suède, indépendants. Ceux-là font cette étude. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'on prouve à ce moment-là, sur les études uniquement indépendantes, on prouve qu'à 75%, les ondes sont dangereuses pour la santé et peuvent entraîner des dégâts graves, que ce soit sur le plan du cerveau, que ce soit sur le plan de plusieurs maladies du système immunitaire, ou voire du système nerveux. Souvent le système nerveux en premier, le système immunitaire en deuxième. Donc, après, on nous dit, il y a des enfants, par exemple, depuis une dizaine d'années, qu'ont le syndrome de Kawasaki, ça s'appelle, je crois. Il y a plein de maladies, les tumeurs au cerveau qui sont multipliées par deux. Tout ça apparaît, mais elles ont toutes lieu sur l'oreille droite pour les droitiers et sur l'oreille gauche pour les gauchers. Je vous fais les gestes pour que vous compreniez. Et évidemment, il n'y a aucun rapport. Ne voyez aucun rapport, ce serait abusif. Ce n'est pas scientifique. Où allez-vous? On nage dans cette espèce de déni total de la vraie science, qui est l'étude. Donc 75% des études indépendantes prouvent qu'il y a danger pour la santé. C'est-à-dire que quand vous allumez votre Wi-Fi, vous utilisez votre téléphone portable, et c'est marqué dans toutes les recommandations de l'OMS, vous ne devriez pas utiliser votre téléphone portable avec les ondes allumées. Hein, en mode avion, c'est pas grave. Mais hors mode avion, plus de 5 minutes par jour. Évidemment, on en est loin, puisque les gens dorment même avec leur téléphone portable allumé, des fois qu'ils aient un copain qui leur fasse un petit tweet sympa. Ça leur saille de réveil, et puis ils dorment. Oui, mais tu peux avoir le réveil sans l'allumer. Il est carrément allumé en Wi-Fi à côté de leur oreiller. Donc évidemment, il ne faut pas s'étonner que les cerveaux actuellement soient complètement cramés, et qu'on ait une énorme bulle de bêtises collectives, que ce soit du côté des il faut vacciner, que de cela, il y a des puces dans le vaccin qui vont vous transformer en robot. Bon, donc je continue un petit peu ma démonstration, parce que c'est important de comprendre, parce que c'est un témoignage direct et authentique, hein, je ne suis pas en train de vous mentir, c'est ma propre histoire. Les indigos sont plus sensibles à ça. Évidemment, on va en retrouver dans le milieu EHS, j'en ai fréquenté quelques-uns. Alors, il y a deux catégories de EHS. Ceux qui se disent, bon, bah, tant pis, il faut que j'essaye de résister, et qui restent chez eux. En général, on va retrouver 2-3 ans un cancer et ils meurent de leur cancer. On ne dira pas qu'ils sont morts de l'EHS, on dira qu'ils sont morts d'un cancer, déclenché par le maintien dans une zone sous les ondes. Alors, rappel quand même, bien que ce soit non prouvé, soi-disant, que les ondes font du mal, vous verrez aucun contrat d'assurance qui contient un remboursement pour des dégâts dus aux ondes. Parce que eux, ils ont les vraies statistiques, évidemment. Les assurances ne vont pas se mettre à rembourser un risque qui n'existe pas. Or, le risque de la 4G n'existe pas. Ah oui, mais les assurances ne veulent pas le rembourser. C'est bizarre. Autre fait, je sais plus ce que je voulais dire. Ben si, les assurances savent les vraies statistiques, toujours. Oui, mais si ça n'existe pas, ils ne veulent pas le rembourser, c'est parce que ça n'existe pas qu'ils veulent pas le rembourser. Oui, c'est... Non, je veux dire, ça n'existe pas officiellement. Pourquoi, si ça n'existe pas officiellement, eux, ils sont en train de ne pas le... Si ça n'existe pas officiellement et que c'est si rare que ça, ils n'ont aucun problème à le rembourser. Pourquoi ils protègent leurs fesses à ce moment-là? Parce qu'ils savent très bien que le poteau pour route va être révélé, à condition que les gens se réveillent. Pour l'instant, ils ne sont pas réveillés. Donc c'est pour ça que pour l'instant, le poteau rose n'est pas révélé. L'OMS nous dit tout ce que je viens de dire sur le danger des ondes. Donc on continue à planter des poteaux partout avec des antennes, et avec cette dogmatisme collectif comme quoi ça fait de mal à personne. Les cancers du cerveau, j'en ai parlé, etc. Donc il y a deux sortes de HS, ceux qui restent sur place et puis ceux qui fuient. Ceux qui fuient,
Moi, j'appelle ça des déportés. Ils sont déportés dans des goulags. C'est-à-dire la seule solution qu'ils ont, c'est pas un truc de l'URSS, c'est un truc qui a lieu en France là, actuellement. Dans des autres pays, en Italie, Suède, tout ça, comme ces gens, c'est pas de leur faute quand même, s'ils ont une réaction du système immunitaire, c'est comme si vous êtes allergique à la noisette, on vous fout pas un entonnoir dans la bouche pour dire tu vas en bouffer des noisettes, je te dis que c'est bon moi pour toi. À ce moment-là, on aurait des morts pareil, mais ça se fait pas. Si vous avez reçu à Noël quelqu'un qui est allergique à la noisette, ce fut notre cas, vous essayez de pas faire un entremets à la noisette exprès au dessert pour le... quand même. C'est bien. Alors que là, pour les ongles, non, tout le monde s'en fout. C'est celui qui est dérangé, c'est comme à une époque, quand on fumait un restaurant, il y avait des enfants qui étaient en train de manger. Tout le monde en fumait les enfants, on leur préparait un cancer pour plus tard. Mais, putain, tu veux m'empêcher de fumer après mon dessert? Mais espèce de facho. Alors, les gens ne comprenaient pas que s'ils avaient envie de fumer, c'était leur droit, mais il fallait qu'ils emmènent un scaphandre pour qu'ils profitent de leur fumée, qu'ils ne fassent pas profiter tous les gens qui veulent ne pas fumer, eux, parce qu'ils savent que ça donne le cancer. Mais là, c'est pareil. Avec les ondes, il n'y a pas de scaphandre qui existe, les gens ne sont pas protégés. Et donc, n'importe qui va dire « Excuse-moi, mais je sens ton téléphone portable, ça vous est arrivé... moi avec mon amie là en allant au ciné, elle disait à l'ami excuse-moi, t'as oublié de fermer ton portable, le film va commencer, ça serait bien parce que là sinon je vais pas pouvoir voir le film. Et la personne disait ah mais non, j'ai fermé, bah regarde. Et la personne sortait son portable et disait ah oui, effectivement, désolé, comment vous avez fait, vous êtes voyante? Il dit non, je suis EHS. C'est ce genre de truc qui, je veux dire, des preuves comme ça, il y en a des milliers, des milliers. Les preuves que ça ne fait rien, elles n'existent pas, à part quand si un labo a failli les commandes, évidemment. Et là, comme ils payent abondamment, en général, on en trouve des preuves qui sont fausses. Ça s'appelle des fake news scientifiques, ça s'appelle. Donc, le danger, ce n'est pas la 5G, c'est déjà la 4G. La 5G, ça va être pire, évidemment. Alors, le corps humain est un corps électromagnétique. Il contient de la bioélectricité et de l'électromagnétisme, les deux à la fois. Or, on fait semblant de s'intéresser que à la bioélectricité. C'est-à-dire qu'on mesure, par exemple, la DAS sur vous voyez, quand ça chauffe l'oreille, un portable, quand vous discutez pendant une demi-heure trop longtemps. Il y en a pour qui ça chauffe même pas, d'ailleurs, mais bon. Ceux pour qui ça chauffe l'oreille, c'est que vous sentez l'épée calorifique, donc l'épée bioélectrique. Or, c'est pas ça auquel les EHS sont allergiques, même s'ils n'aiment pas trop ça non plus. C'est l'autre effet, qu'est l'effet électromagnétique, puisqu'on est un composé de fréquences électromagnétiques, et tous les corps existants dans la nature, et ça c'est prouvé scientifiquement, évidemment. Alors, si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Et c'est à cause de ça que manipuler des ondes pulsées qui envoient donc des informations dans votre corps, et non pas simplement dans votre téléphone, si vous envoyez que dans le téléphone pour communiquer, ce serait génial, mais ça les balance dans votre corps aussi. Et quand ça les balance dans votre corps, ça donne des informations au corps qui va être obligé de gérer. Et ça peut déclencher évidemment une allergie. Et le EHS est une allergie. C'est un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. On devrait l'appeler SACEM, mais la SACEM, ça existe déjà, c'est pour les musiciens. C'est un syndrome d'allergie au champ électromagnétique. C'est une allergie, on en a les preuves, même biochimiques. Voilà. Donc, évidemment, quand vous voyez ce qui se passe avec les vaccins... Alors, d'autres petites histoires, je vais dans un congrès où on a des gens contre la vaccination qui sont là, évidemment. L'animateur pose la question, qui sont ceux qui ont eu des problèmes, eux personnellement, ou une personne très proche, et un problème avec un vaccin. Alors évidemment, forêt de bras qui se lève, 95% des gens qui étaient là, et avaient eu un problème avec les vaccins. Évidemment, ça ne prouve rien, puisqu'ils sont présélectionnés, le biais c'est qu'ils sont présélectionnés à l'entrée, puisqu'ils vont à un congrès anti-vaccination. Bon. Donc l'animateur dit, je ne suis pas en train de vous prouver que les vaccins sont 95% dangereux, je suis en train de vous prouver qu'il n'y a que 5% seulement de gens qui s'intéressent au danger des vaccins. C'est dire si le lavage de cerveau est bien fait. Parce qu'il devrait y en avoir plus, puisque la population, il y a moins de gens qui ont des problèmes avec les vaccins que ceux qui n'ont pas de problème. Bref, donc on a seulement 5% des gens qui viennent par pure curiosité. C'est quand même bizarre. Donc le lavage du cerveau est très 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 bien fait par des curés en blouse blanche. Donc deuxième question posée. Donc tous ces gens qui sont là, 95%, ont des problèmes avec les vaccins ou un proche. Maintenant, deuxième question intéressante, c'est est-ce que parmi donc cette foule de bras, il y avait 400 personnes environ, 300-400, c'était un grand hall à Paris. Deuxième question que pose l'animateur, très intelligente, et ça valait le coup de le voir, j'y étais. Hein. Il pose la question, parmi vous, quels sont ceux dont la corrélation entre le... Alors, première question,
quels sont ceux pour qui le problème est arrivé en moins d'un mois, dans les 15 jours, une semaine, 15 jours, après la après une vaccination. Forêt de bras qui se lève à nouveau. Donc, les gens avaient corrélé un ennui de santé qu'ils avaient avec un vaccin qu'ils avaient eu juste un mois avant. Alors là, les témoignages abondent de gens qui sont en pleine santé, qui se trouvent très malades. Bon, voilà. Donc, OK. Donc, on retrouve, donc les gens qui sont là, a priori, ne sont pas fantaisistes, ils ne disent pas « Ah oui, c'est le vaccin que j'ai eu il y a 10 ans, c'est à cause de lui sûrement que j'ai un rhume maintenant. » Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de gens sensés, parce qu'on a tendance à prendre vraiment en ce moment les gens pour des cons. Donc, des gens sensés qui sont là, qui ont remarqué. Alors, est-ce que la cause est faite et prouvée scientifiquement ? Non. Mais à partir du moment où vous avez cette forêt de bras qui se lève et qui attribue, c'est ce qu'on dit tout le temps, les EHS attribuent leurs problèmes à des téléphones portables. Bah oui, parce qu'une fois que tu l'as eu 100 fois, le problème, tu finis par voir que ça vient de là, que ça ne vient pas de l'arbre en face, ou du tigre qui est mal garé dans la cour de ton immeuble. Voilà, tu finis par voir le point commun à chaque fois que tu as un problème, c'est toujours le même. Donc là, c'est pareil, les gens avaient vu le point commun entre la vaccination et l'effet. Troisième question, c'est celle-là qui tue, qui vous rend assis sur votre cul. Troisième question, il pose à l'assistante. Et maintenant, parmi vous, quels sont ceux dont cet ennui apparemment vaccinatoire, que vous pensez vaccinatoire, a été déclaré comme tel par le médecin traitant? Et là, 5% des bras qui se lèvent. C'est-à-dire que une personne sur 20 seulement qui a eu un problème avec un vaccin est déclarée comme ayant eu un problème avec ce vaccin. Alors, à ce moment-là, l'animateur dit, eh bien, maintenant, reportez-vous aux statistiques sur les ennuis vaccinaux mis en parallèle avec le bénéfice du vaccin, c'est-à-dire le nombre de gens morts par cette maladie qui sont évités. On met les deux en parallèle et comme ça, on voit le bénéfice d'un vaccin. Voilà. Et là, on nous dit que il est multiplié par environ 8 ou 10, le facteur, ce qui fait que donc il faut vacciner, puisque le facteur est de 8 ou 10. Seulement là, on a une expérience qui nous prouve que 1 sur 20 seulement est déclaré. Pour ceux qui sont un peu mathématiques, faire le calcul, ça veut dire que le vaccin est non efficace par rapport au nombre de morts de la maladie en question. Puisque c'est-à-dire que si on déclare tous les cas, si les médecins osaient déclarer que c'est bien le vaccin qui a donné ses effets secondaires, et que s'ils étaient tous déclarés, on s'apercevrait que les vaccins sont pratiquement inefficaces en général. Alors, je ne suis pas totalement anti-vaccin, puisqu'il y a eu des cas où il y a des pandémies très très fortes qui ont pu arriver, et où il y a des espèces de sphères de protection qui ont pu être faites, mais ça c'est une autre question, et c'est très très rare que les vaccins soient réellement... Donc, ce qui est intéressant de voir là, c'est pas tant est-ce que les vaccins sont bons ou pas, puisque quelquefois ils peuvent être valables, ça dépend des cas et tout ça, il faut réfléchir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez des fake news scientistes et non pas scientifiques qui existent depuis plus de 40 ans dans notre beau pays. Et tout ça parce qu'il y a des labos pharmaceutiques, il y a l'Institut Pasteur derrière qui se remplit les poches et on vous manipule des chiffres. Les cas d'autisme, par exemple, liés à des vaccinations ont été très nombreux. On a eu des contre-études qui ont été faites par les labos pour dire que ce n'est pas vrai. Quand je vois la quantité de témoignages que j'ai eu de cas d'autisme directement après les vaccins, non, c'est vrai. Autre témoignage de ça, pour terminer sur ce sujet, j'ai été éducateur veilleur de nuit et souvent, je pour un peu regarder la date de naissance, pour jouer avec l'astro, pour voir un petit peu... Comment ça se fait que ces gens étaient soit fous, soit asociaux, soit avec des problèmes psychologiques graves. Je montais des thèmes, ça a été toute ma vie, j'ai monté les thèmes de tout, des chanteurs, des politiques, de tout, pour apprendre comment ça fonctionne. Regarde, c'est quelqu'un. Sur tous ces cas, en dehors de l'astro, j'ai pu regarder aussi leur vaccination. Et j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup de cas d'autisme ou de chocs psychologiques graves, des gens qui passent d'un état normal à une schizophrénie galopante, qui ont fait une décompensation psychotique, on appelle ça. Beaucoup de ces cas-là avaient deux causes, soit utilisation d'une drogue à haute dose, alors qu'ils avaient un terrain borderline, et l'autre... 50% des cas, et 50% des cas, une vaccination juste avant. Tiens, bizarre. Et y compris dans les cas d'autisme, surtout dans les cas d'autisme. Donc, ça confirme ce que les statistiques américaines de l'époque, qui ont été vues comme fausses par toutes les études récentes, qui heureusement ont rétabli la vérité, grâce à l'argent des labos. Un autre ami éducateur qui a bossé lui dans une institution avec des gens grabataires, très très gravement atteints d'un autisme profond.
une quinzaine de lits, une dizaine de lits, une quinzaine de lits. Et lui aussi fait la même chose que moi, est en verre de nuit, regarde les dossiers. Tous, je dis bien tous, avaient dans le mois précédent leur crise d'autisme grave qui les a rendus la plupart grabataires ou impossibles de se mouvoir, de faire quoi que ce soit, tous avaient eu une vaccination. Voilà. Bon. Si avec tout ça, vous me dites que c'est parano, moi je ne suis pas parano et je suis contre les théories du complot. Mais être contre la théorie du complot, ce n'est pas dire que les complots n'existent pas. Or, les complots existent, ça, moi j'appelle ça plutôt les plots des cons, c'est-à-dire comment on trompe les gens, le plot c'est on les attire sur une fausse information, parce que tout simplement cette information est nécessaire pour vendre. Et ça, excusez-moi, mais je n'apprends à personne que dans un monde capitaliste qui veut vendre des choses et qui est prêt à vendre père et mère pour vendre son truc. Et la morale, ça fait longtemps qu'elle est... Comme quand on disait la blague de Toto quand il était petit, elle est partie chier derrière l'église. C'est-à-dire, elle n'est plus là, la morale. Il n'y a plus de notion de valeur. Si ça rapporte, si vous me dites je dois faire un mensonge qui risque de mettre la vie des gens en danger et que je vous donne 1000 dollars, bah non, quand même pas. Vous me prenez pour qui? Je suis quelqu'un d'honnête. Ah, maintenant je vous donne 100 000. Ah, ben là, finalement, oui, pourquoi pas. Et là, tout le monde vient récupérer sa petite somme au guichet. Et signe en bas de sa plus belle signature une étude fausse dont le système a besoin. Donc il ne s'agit pas de complot, il s'agit du capitalisme néolibéral qui a été renforcé dans les années 80. Donc ça c'est très important, je voulais faire cet entrée de matière sur cette histoire. Ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est parce que il faut bien que vous ayez des exemples. Ce n'est pas « Ah, j'ai lu quelque part qu'il y a des EHS ». Non, moi j'en suis un et j'ai l'habitude d'avoir... plusieurs années à l'avance des problèmes qui vont arriver dans le collectif. Mon confinement, moi j'ai eu il y a 5 ans, et je suis toujours confiné depuis 5 ans, c'est-à-dire que je n'ai commis aucun acte répréhensible selon la justice des hommes ni la justice divine. J'ai plutôt fait du bien autour de moi, et je suis mis en goulag, enfermé, dans une espèce de bagne sans eau et sans électricité. Sinon, je n'ai pas trouvé d'endroit où survivre, j'ai cherché pendant 2 ans. Donc je suis un collapsologue averti, puisque je vis de manière comme les collapsologues maintenant, en mode survie. Alors c'est peut-être une chance, parce que si le système s'effondre, effectivement, moi j'ai un peu d'avance pour être dans le lieu où j'étais obligé de fuir à nouveau actuellement. J'y suis que depuis un an, même pas un an, et c'est pas encore prêt pour la survie. Voilà, donc voilà de ce qui se passe. C'est pour ça que dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais avoir des difficultés à vous donner les informations bien correctement, parce que j'ai beaucoup de difficultés à les obtenir. Je ne peux plus aller sur Internet pour l'instant, je ne peux plus me servir d'un téléphone portable, évidemment, puisque c'est le propre de cette maladie. Donc je ne m'en sers pas du tout, sauf pour des SMS en mode avion, par un système d'éloignement à 50 mètres, et puis d'aller-retour pour aller chercher les... Donc voilà, mais à part ça, je suis comme tous les EHS, j'évite au maximum ces technologies qui m'ont complètement bousillé une vie qui était très agréable et très, très bonne, quoi. Alors, continue à être bonne parce que, comme je médite, je m'adapte à tout et je me débrouille pour faire de toute épreuve une occasion d'évoluer. C'est ce que je fais avec ça, donc je ne me plains pas, mais je suis simplement en train de rappeler que si maintenant il y a une grande montée de parano contre les toubibs, ça s'appelle le karma. Ce qu'on a expliqué là, ça s'appelle le karma. C'est-à-dire que quand vous avez semé des fake news, que vous avez trompé des gens, que vous avez rendu des gens malades sous prétexte de les soigner, bien qu'il y ait plein de toubibs qui sont géniaux, tout ça. Le problème, quand un toubib est vraiment génial, moi j'avais vraiment besoin d'avoir des toubibs géniaux à cause de ma maladie. Il y en avait très peu qui arrivaient à me soigner parce que c'était pas facile, puisque c'était des blocages du système immunitaire, c'est très difficile à soigner encore. Il fallait que je tombe sur les médecines alternatives, j'ai trouvé des très bons toubibs. Je n'ai connu aucun de ces très bons toubibs qui n'ait pas eu des emmerdes avec l'ordre des médecins, alors qu'eux c'était les bons. Donc voilà, qu'est-ce l'ordre des médecins, ordre fabriqué par Pétain. Dernier pan du système nazi qui était installé sur toute l'Europe à l'époque, puisque l'Europe a été construite par un génie qui a vu bien à l'avance, c'était Hitler. Pardon, Napoléon a vu ça. Bon, bref, des gens qui veulent construire l'Europe à coup de trick ou à coup de bazooka ou à coup de V1 et de V2. Bref, dans cette Europe-là, il y a l'ordre des médecins qui a été créé pour contrôler complètement, avec une vision nazie, pétainiste, les médecins. Pourquoi on a gardé cette institution-là qui est complètement facho. Moi, je ne sais pas, le Conseil de la Résistance a tout nettoyé, toutes les institutions facho qu'avait, sauf celle-là. Elle est encore en place avec les mêmes statuts. Attention. Donc, apparemment, c'est pour faire tomber le bâton sur tous ceux qui sont des vrais médecins alternatifs et qui proposent un autre système que celui que veulent
Big Pharma, qui est quelque chose d'existant, qui n'est pas un complot imaginaire, qui est quelque chose d'existant.